Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen. Disons que j'étais malade pendant une semaine et demie. Du coup, j'étais pas très en forme, mais j'ai quand même tourné une petite séquence vidéo que je vous mettrai à la fin de cette vidéo aussi, dans laquelle je vous fais un petit truc rigolo. Moi, ça m'avait fait rire de le faire et vous me direz en commentaire si vous l'avez vu ce que vous en pensez. Aujourd'hui, en lien avec tout ça, je vous fais la potion Fortnite. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez que c'est reparti pour un chapitre 2 de ce que j'ai compris. Moi, j'y ai jamais joué, je ne sais pas vraiment y jouer. J'y ai joué une ou deux fois, mais je n'ai pas vraiment accroché à ce jeu. Le jeu en ligne, en général, c'est pas ma tasse de thé, quoi qu'il arrive. Mais j'ai décidé quand même aujourd'hui de vous faire la potion de Fortnite. On va pouvoir passer en préparation, et c'est parti! Pour préparer la potion de Fortnite, je me munis d'un bocal maille, d'une contenance de, mise au point, 375 millilitres. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, sinon ça c'est vraiment pour faire l'effet potion. On va venir l'ouvrir. On va la remplir aux trois quarts de limonade. Voilà. Dans laquelle on va ajouter 2 centilitres de vodka. Et 2 centilitres de curaçao bleu. Et j'en mets toujours partout à côté, ça va m'agacer à force. C'est pas grave, le tapis nettoie, il boit autant que moi. On va ajouter également un demi-citron vert, c'est-à-dire 1,5 centilitres. Directement à l'intérieur. Et à l'aide d'une cuillère à mélange, mais vous prenez n'importe quoi si vous n'en avez pas, on va venir mélanger. On voit que la potion pourrait déjà être prête, elle est bien bleue, bleu clair, comme dans le jeu vidéo. Mais on va ajouter 2 centilitres de liqueur de melon pour la verdir un petit peu, parce qu'elle n'est pas totalement bleue. Elle a des petits effets visuels. Donc 2 centilitres de liqueur de melon qui vient se déposer gentiment vers le fond. Et la potion est prête. Ça donne ça. Je vous fais un plan de plus près tout de suite. Mais c'est prêt. Ici ma potion, ici la potion du jeu vidéo. Vous voyez, il n'y a pas trop de différence, je trouve. Voilà, je t'ai maintenant montré comment réaliser la magnifique potion de Fortnite. Je t'invite à la reproduire à tes amis, de m'envoyer les photos sur mon Instagram, @DreamColoGeek, ou mon Twitter, @DreamColoGeek également. Je t'invite à partager la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes nombreux à ne pas être abonné, mais faites-le, c'est important pour moi, ça me met de bonne humeur. Likez la vidéo, ça me met également de très bonne humeur. Laisse un commentaire pour me dire tout ce que tu veux, j'y réponds quoi qu'il arrive. En attendant, moi je te laisse avec moi du passé d'il y a quelques jours, et je te souhaite une bonne soirée. Salut! Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu particulière, vous allez voir pourquoi, je recentre ça. Tac, on ouvre ça, alors c'est une vidéo spéciale, bon, faites pour moi, ne refaites pas ça chez vous, ce serait vraiment dommage. On met ça là-dedans, de l'eau un peu chaude, ça agit plus vite. Dans le verre. Tac, on mélange, désolé pour la voix, je suis un peu enroué. C'est prêt. À la vôtre. Ah!